À toutes et à tous, je suis super ravie aujourd'hui de faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu voir par le titre, je fais un vlog. Donc voilà, première fois que je fais un vlog, ça va faire drôle. Donc là, je fais un vlog. Pourquoi? Parce que je pars à la plage, là, à la plage quoi. Et j'avais très envie de vous faire un vlog, donc essayez avec vous un vlog. Je n'ai jamais de ma vie fait de vlog. Oui, non, jamais. Voilà, j'ai toujours voulu en faire. Je regarde beaucoup de vlogs de Noémie Makeup, d'Angel Phoenix ou de Emmanuel, Emma. Donc voilà quoi. Donc c'est pour ça que j'avais envie de faire ce petit vlog. Je me suis dit peut-être ça pourrait plus vous intéresser ça que des vidéos des fois. Donc moi ça sera un test parce que mon frère il m'a dit ouais, pourquoi tu pleures pas et tout. Donc voilà. Excusez-moi, il y a du bruit. Donc pourquoi ouais tu fais pas vlog et tout, donc voilà. You mix the wrong guys with the right intentions in the same bed, but it's still for long distance. You're looking for a on voit pas le ciel, c'est dommage. Il y a le trait là. Va tomber. Ah, j'en ai plein sur moi. Très plein. Faut que je prenne des photos de la mer, on est. Tiens. Trop beau, magnifique. J'adore. Ah ouais, il y a des raquettes. 5 euros. Ou 4 euros. Oui, c'est un catch. Ah non. 4 euros, c'est là. Je vois, catch. Ah si, c'est bon. On dirait vraiment les trucs de Saint-Tropez. C'est trop beau. C'est trop beau. Trop. En plus, ça va, on a un ciel bleu. Franchement. On voit comment il y a de la lumière. Dans les marches, il y a. Je suis en train de filmer, pas de bol. Il y aura la preuve. T'as vu? Regarde. Regarde, ouais, ça fait ça. Vous voulez le suivre, allez-y. T'as abusé, gars, y'a de la lumière. Ouais, je sais pas. Mais on passe au-dessus, on va visiter. Elle est comme ça moulin. Vas-y, va au stand. Eh, d'après moi, c'est de guerre visiter. Oh. Ouais, mais après, c'est les trucs de guerre. Hein. Ah ouais, mais tu regardes, tu dois faire tous les blocos. Ça doit être bien, ouais, ma chérie. Mais arrête de filmer, toi. Je m'en fous, t'es filmé. C'est YouTube. Elle est où, ma photo? Elle est plus là. Mais t'es où? Mais t'es pas là, mais t'es où? Ma mère qui ne sait pas prendre en photo. Des photos. Voilà. Bon, c'est pareil, hein. Non, là-bas, il était... Mais c'est des codes. Mais c'est des codes. Mais pourquoi tu peux visiter?
Entrée. L'entrée, elle est là-bas. Bon, on s'en fout, bon, bah, si tu veux visiter, va voir. Oh, si tu veux visiter, va voir. Ah, voiture. Tu vas dépenser le vélo, hein. Pas mal. Là, elle fait du surf. C'est pas du surf. Ah ouais, surf, non, c'est du... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Aston, il est là. Garde-toi là, Olive. Bah ouais, maman, c'est au bout. On va pas pouvoir nager sinon. Nous on veut nager nous. Il y a du sable, il va m'embourber. Interdit, interdit. Il y a un panneau. Interdit. Il va embourber ma bagnole. Ne passe pas dans le sable. C'est une voiture. C'est une... Passe. Faut quoi faire? Elle est très loin l'entrée du début. Magnifique. C'est du paddle. C'est ce qu'il fait. Ah non, peut-être. Oh, merci Coralie. C'est ça? Mais qu'est-ce que tu fais maintenant? Mais... Ouh, oh, tour. Au secours. Je ne connais pas, sauvez-moi. On est perdu. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait? On est perdu. Regarde, tout à l'heure, on va là. C'est magnifique. C'est trop beau, là on est en train de marcher dans les escaliers. On n'a même pas besoin de faire de sport. Voilà. C'est trop trop beau. Et ma mère qui avance. Allez, plus vite, t'es filmé. Oh non, c'est pas ça. C'est trop bon, c'est trop du bien. Je sais même pas où on va en fait. Moi c'est le tour, je suis même pas vu en fait. Non. Ah ouais. Vas-y, je te déteste. T'as pas vu qu'il a fait jardin hier, hein? Lui, et voilà. Sa bagnole. La descente qu'on va devoir monter après. C'est trop beau. Bah j'ai fait, t'as vu ta chérie, elle a fait du bon boulot. T'as vu, hein? Magnifique, ma chérie. On va se casser la gueule. En plus moi je fais une grosse connerie, hein. Je suis en train de descendre avec des claquettes. Bah oui, justement. Allez, allez, c'est les escaliers là. On a tout ça à monter, à remonter. Franchement, on va bosser quoi. Bah heureusement qu'il fera... c'est pas trop chaud, hein. Bah il fait bon, hein, quand même. C'est trop trop beau. Franchement, t'es sûr que c'est là? Je crois qu'on est perdu. C'est un gros doute, hein. On est perdu. Je sais même pas où on va. What is the question? Quoi? What is the question? Question. Aïe, mon pied. C'est qui passe? On se met sur le côté. Sur le côté? Bah, tu peux avancer, hein. Il y a du monde. Regardez, il y a du monde, il y a des gens et tout, mais c'est pas mal. Franchement, c'est un endroit vraiment calme. Je pense, hein, on a vraiment l'impression d'être en vacances. Mais si on n'est pas. Bah, on n'est pas en vacances. On n'est pas dans le sud. Mais bon, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est très très beau. J'aime bien la nature en plus. Puis regarde, chut, parle plus, maman. Chut. Oh, regardez, il y a un lac. Franchement, regarde. Il y a un lac. C'est trop beau. C'est magnifique. Franchement, j'aime bien. C'est pas mal du tout. T'appelles ça un lac? Un petit lac avec, avec des canards quand même. Bah, j'ai une barre à canard. Et les deux qui sont devant.
musée pour voir ça. C'est trop bien. Ouais. Regardez. C'était gratuit cette soirée. On peut voir ça. Franchement, ceux qui étaient à l'armée ou quoi, ça c'est vraiment pas mal. C'est trop beau. Et c'est juste ici en fait. Super bien ça. Franchement, je conseille d'y aller un jour si vous aimez. C'est trop. Et vous pouvez placer vos vélos et vous posez là. Il y a des petits trucs aussi là-bas. C'est vraiment pas mal. C'est trop belle cette maison. Super grand. On est essoufflé. Regardez, trop beau. Je sais même pas ce que je filme, mais bon. C'est trop trop beau. Vous voyez, les chiens se mouillent aussi. Vraiment la collection. C'est trop trop beau. Puis avec les petits. C'est pas des bateaux, mais je sais plus comment ça s'appelle là-bas. C'est super joli, franchement. Je vous marquerai de toute façon en haut de la vidéo où on est à peu près pour que vous puissiez venir un jour, mais je pense que c'est beau. Hein. Je sais pas si vous voyez. Il y a un musée et puis là il y a la plage là quoi. Donc franchement c'est cool. C'est super sympa. Vous voyez? C'est trop trop beau. J'adore. On va descendre à la plage. On va avoir les pieds mouillés encore une fois. Plein de sable. C'est difficile ça, on peut glisser ici. C'est super dangereux. Faire attention. À faire attention, ça glisse. Bah ouais, mais ça glisse, moi je suis cassant la gaffe. Hein. Je sais pas si vous êtes comme moi vous aussi, mais moi je suis capable de tomber seulement pour un truc. Moi ça m'arrive d'avoir mal aux chevilles, donc du coup c'est pas compliqué. C'est bon, on est passé. On est passé. Oh. Les pieds dans l'eau. Ouais, elle est bonne. Elle est fraîche. Hein. Perso, j'adore. Je sais pas si vous verrez bien. De deux côtés, mon pantalon il se mouille. Elle est bonne! Franchement, elle est bonne. Non, pousse le pont, oui. Laisse pousser. Là-bas, il y a un bateau qui roule. Regarde, lui aussi, il va arriver. Passer, si, il va passer là, ça. Et va lui, s'ouvrir. Il passe comment, lui? Lui. Ça s'ouvre, ça. Regarde, il s'ouvre, là. Et hop, après ils vont tous partir. Et ils vont devoir attendre pour le deuxième. Ah non, lui il va se garer, regarde. Lui il va se garer. Il y a un petit poisson. C'est beau, quoi. Donc là, voilà, nous sommes rentrés, il est passé 19h. Donc voilà, donc je vais prendre ma douche. Donc je vais prendre des gels douche, surtout pour le soleil, parce que j'étais beaucoup dans le soleil. Même si j'ai mis un peu de crème bronzante.
Donc là, je prends un petit coffret que ma mère a reçu et que du coup, bah, je vais le tester parce qu'elle n'aime pas trop tout ça, elle. Je sais pas pourquoi. Mais bon, donc là, c'est le gel nacré au Monoï anti-âge effet irisé, donc de Polyziane. Donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'elle a utilisé, je crois, au début. Je sais pas si elle l'a mis ou pas. Moi, j'en ai mis une de chez Yves Rocher. Et là, en fait, je vais utiliser leur trio, leur duo. Donc, je vais utiliser le après solaire corps et cheveux. Donc, c'est le shampoing douche au Monoï. Donc, à tester. Toujours dans la même marque. Donc, je vais tester. Je ne connais pas du tout. Donc, à tester. Je vous en parlerai tout à l'heure, quoi. Et le gel fraîche au Monoï. Donc, après soleil, visage et corps. Donc voilà, un gel rafraîchissant pour le visage et le corps. Donc c'est vraiment pas mal comme tous leurs produits, franchement ils sont super cool. Je sais pas du tout combien ça vaut parce que c'est mieux que nous l'a acheté. Mais voilà, je vais le tester, je vais vous en parler aussi. Donc voilà, donc là je vais voir ce que je vais prendre. Donc parce que je prends toujours un petit truc. Donc là je vais prendre ma toilette intime de chez Corinne de Femme. Voilà. Alors je prends toujours, toujours. Je prends mon shampoing, celui-ci, mais aussi un shampoing, mais je préfère prendre quand même mon propre shampoing, donc le Stylos, donc l'huile 21, donc 21, je crois qu'on dit ça comme ça. Shampoing, cheveux desséchés et très secs, donc il y a 21 huiles différentes dedans. Pour vous expliquer, il nourrit immédiatement, intensément, sans effet gras, laisse la fibre capillaire pour une souplesse prodigieuse, effet anti-paillet jusqu'à 24 heures. Bon, moi, souvent après, je vous mets un truc, mais bon, c'est pas ça qui me. Voilà quoi. Franchement, il est vraiment pas mal. Je vous le conseille vraiment. Il est super cool. Voilà, pour le corps, je vais quand même prendre une crème pour le corps. Donc, je vais prendre celui-ci, tant pis, de chez Dove. Donc ça c'est un qu'on m'avait offert à mon anniversaire, un petit coffret, et j'avais eu ce Dove, et donc Nutri, donc nourrissant quoi. Donc voilà, super sympa, franchement il sent très très bon, donc on va utiliser celui-ci et on se retrouve après la douche. Bye bye! Voilà, j'ai fini de me doucher. Donc, pour vous parler des produits que je vous ai présentés juste au début là, que je vous ai dit, je vais vous en parler. Le shampoing il était bien, je vais pas vous mentir, il est bien. Je trouve qu'il apaise même les petits coups de soleil parce que j'en ai attrapé un petit peu là et tout. Donc du coup je trouve que ouais, on peut mieux toucher que tout à l'heure. Donc c'est vraiment bien bien bien. J'en ai mis sur mes cheveux, je trouve que sur les cheveux je sais pas quel effet ça va donner parce que là ils sont encore mouillés. Donc je peux pas vous dire s'il donne quand même un effet doux ou pas, surtout que j'ai mis mon shampoing après, donc voilà. Par contre, mettez plutôt un shampoing après parce que ça mousse pas du tout et je trouve que ça lave pas, donc j'ai remis un autre shampoing, surtout en allant dans l'eau. On a souvent des grains de sable sur soi et tout, je vous jure, la baignoire était remplie de sable. Donc du coup, j'ai tout nettoyé à baignoire, aussi par derrière. Mais bon, franchement, ça rafraîchit, ça fait vraiment du bien. Du bien, du bien. En plus, on a passé une super bonne journée. On a acheté des raquettes, comme je vous ai fait voir dans le vlog. Donc, quand vous parlez des genres de raquettes, là. Je trouve que c'était pas mal. On a bien rigolé. Franchement, c'était à filmer parce qu'il y en avait qui se sont cassés la gueule. Mais à mort de rire. Plus, mes ongles sont dégueulasses. Bon, on va faire voir ses ongles. Mais voilà, c'était super cool. Franchement, j'ai passé une très très bonne journée. Franchement, c'est à refaire. Par contre, où j'ai été, tout ça, ça sera normalement noté au début, mais bon, ça dépendra quoi. Et j'ai quand même fait un petit craquage, un petit achat qui devrait pas être là, mais bon, c'est pas grave. Je me suis acheté donc de chez Révolution Makeup, Révolution Londe, blush ultra professionnel palette. Blush palette. Voilà, je me le suis acheté pour 10,99€. C'était pas très cher, donc ça allait. Il y avait plein de choses et tout, c'était bien. C'était à Die, le magasin, en Belgique. Donc je connais pas du tout, mais c'était super cool. Je vous ai pas filmé, mais franchement, c'était pas mal. Et voilà comment elle est la palette. Elle est trop trop belle. Vous voyez, trop belle. Je vais vous faire voir
Je vais vous l'ouvrir pour vous le faire voir. Hop. Donc, il y a un petit miroir comme d'hab. Et il y a surtout ces couleurs-là très très divines. Donc, c'est la palette Golden Sugar. Super belle, franchement. Il y a des nudes, des irisés, tout ça. Et franchement, je pense même qu'il y en a. Je pense qu'on peut mettre en highlighter. Donc, je vais regarder si on peut en mettre en highlighter. Je vais voir les pigmentations un petit peu. Voilà. Vous voyez, de fou fou fou. Je vais avoir des couleurs. Hein. Il y a celle-ci. Trop beau lui. J'espère que vous verrez bien peut-être à la lumière. Ouais, à la lumière on voit mieux. Vous voyez. Je vais avoir celle-ci qui a trop canon. On voit pas trop, mais bon. Trop trop canon. Je vais vous en faire voir une autre. Hop, celle-ci. Voilà, franchement, ils sont super canons, très bien pigmentés, comme vous voyez là. Vous voyez, donc franchement, très bien pigmentés. Ils sont vraiment génial, génial, génial. Donc à tester, je vous ferai une petite revue dessus, peut-être. Je sais pas du tout. Mais vraiment super. Donc c'est la Golden Sugar. Voilà. Et franchement, elle est vraiment pas mal cette palette. Je suis super contente d'avoir acheté ça. Voilà. Après ma douche, parce que là j'ai reparti après ma douche, j'ai utilisé le Spankoff, donc essence ultime. Et en fait, ça aide à. C'est un après shampoing, mais c'est un. Bah, après la douche, vous mettez ça quoi sur vos cheveux et c'est vraiment pas mal. Voilà, donc c'est pas écrit en français du tout, mais si je me rappelle bien, quand j'avais lu, c'est en fait un petit soin, quoi. Un petit soin après la douche, donc c'est super cool. Et que je voulais vous dire aussi au début de la vidéo, parce que ça a coupé, je sais pas pourquoi. C'est en maquillage, j'ai mis donc le NYX Color Mascara. Donc voilà. D'ailleurs, je l'ai même pris avec moi, parce que après, je me suis... remaquillé en fait, j'ai refait des retouches. J'ai pris un pinceau poudré ma super star 24 heures de Maybelline en teinte 21 nude, mais j'aurais dû prendre plus clair. Mais franchement, elle a vraiment bien tenu. Je suis assez ravie. J'ai utilisé cette donc ce petit rouge à lèvres là, waterproof. Donc ça a tenu, mais pas de ouf quoi non plus. Mais ça a bien tenu quand même. J'ai dû refaire une petite retouche vite fait. Et ça, franchement, ça m'a sauvé la vie parce que mes boutons d'acné, on les voyait même pas. Ça a vraiment tout enlevé. Ça a vraiment tout laissé. Pourtant, j'étais souvent dans l'eau, tout ça. Donc, franchement, le waterproof, lui, je dis oui. Oui, 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 achetez-le dès que vous le voyez. Cette marque, ça a l'air génial. Je me suis pris aussi mon pinceau à sourcils parce que j'ai refait des retouches à mes sourcils. Donc, avec le Max, c'est mort. C'était petit. Et je me suis pris ça pour vraiment mieux estomper ma petite poudre de chez Maybelline. Voilà ce que j'ai pris. Donc je vais aussi prendre mon trépied pour vous faire tenir tout ça. J'ai pas pu, donc voilà. Parce que je l'avais oublié en fait. Et pour vous expliquer un peu, parce que vous verrez quelques images de ça entre deux. J'ai été, donc comme vous avez vu, donc à une plage que je vous mettrai le nom, je sais plus où. Mais j'ai vu des châteaux de sable vraiment magnifiques de Pixar, Star Wars, tout ça. Mais bon, on n'a pas pu y aller parce que c'était 10€ l'entrée. Donc je trouve que c'est vraiment abusé pour voir du sable qu'ils ont fait les gens. Bon, ok, c'est du bon boulot, mais c'est abusé quand même. C'était, franchement, on a vu à peu près, donc c'était magnifique. J'ai pris une photo avec Swang. Je crois que je vous le mettrai là, je sais plus où. Mais voilà quoi, franchement, j'ai vraiment kiffé cette journée. Je vous avais même du coup vu dans mes vlogs un petit peu mon père, ma mère et mon frère. Voilà. Donc voilà, donc c'était vraiment mon premier vlog, j'ai pas trop parlé et tout, j'ai essayé plutôt de faire des plans, j'ai essayé quand même vous parler un petit peu quand même parce que sinon c'est pas un vlog. Mais voilà quoi, donc là il est, j'ai mon portable juste là, il est 20h et quelques, donc là je vais aller me reposer, faire le vlog pour poster demain, donc vous ça sera aujourd'hui.
Mais pour moi, ça sera demain. Comme là, on est lundi, ça sera mardi, quoi. Donc voilà, mais sinon c'était une super journée, franchement j'ai vraiment kiffé. Et si c'est à refaire, je dis oui, parce que franchement on a bien rigolé, on s'est bien amusé. Et puis on a passé un moment à 4, donc ça fait aussi du bien, surtout que moi j'ai un rendez-vous jeudi, donc on n'aurait pas pu. Mon frère il travaille aussi, donc du mardi au vendredi, au samedi il me semble. Ouais, du mardi au samedi, donc. Franchement, donc on a que le mardi et le lundi qu'on peut, donc du coup on en profite et je trouve que c'était super cool, donc voilà, franchement c'est à refaire, refaire, à refaire. Et puis voilà quoi. Aussi je voulais vous remercier aux gens qui se sont abonnés à ma chaîne, les petits commentaires que vous m'avez fait, franchement c'était super sympa. Encore un grand, grand, grand merci mes petits choux. Et du coup, je vais vous laisser parce que je crois que je vais clôturer le vlog ici. Donc si vous avez aimé mon vlog, n'hésitez pas à marquer des pouces, à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour que vous puissiez avoir mes vidéos en temps réel. Et puis n'hésitez pas à partager. Et à me marquer surtout des petits commentaires super mignons. Bisous!